Dès le 21 avril prochain, Vanessa Paradis sera sur les planches du théâtre parisien Édouard VII pour jouer de nouveau la pièce Maman, signée par son époux Samuel Benchetri, après avoir réalisé une tournée qui a récolté un franc succès. Pour l'occasion, l'actrice et chanteuse a accordé une interview à Madame Figaro, le 6 avril. Dans les colonnes de nos confrères, l'ex-compagne de Johnny Depp a fait part de l'admiration qu'elle porte à sa fille Lily Rose, elle a évoqué le féminisme, mais pas seulement. Vanessa Paradis a également réagi au passage de ses 50 ans, qui a eu lieu le 22 décembre dernier, en faisant des confidences sur la manière dont elle s'entretient. L'âge n'a jamais été une obsession chez moi, mais forcément j'y pense, je suis invariablement placée face à mon image, et il m'arrive de me voir en gros plan et de remarquer des choses qui ne me ravissent pas, a-t-elle d'abord déclaré. Questionnée sur cette silhouette fine d'adolescente qu'elle a conservée, malgré les années qui se sont écoulées depuis le début de sa carrière, elle a révélé, avec honnêteté, que pourtant, elle, bouffe comme quatre, mais qu'elle a la chance de ne pas grossir malgré les quantités de nourriture qu'elle mange au quotidien. J'ai le métabolisme de mon père, un bon vivant qui est resté sec comme ça toute sa vie, a-t-elle ajouté en guise d'explication. Supérieure à Vanessa Paradis, retour sur son évolution physique donnée des concerts, une profession très sportive l'artiste a néanmoins mis les points sur les i en précisant qu'elle fait aussi beaucoup de sport et qu'elle a un métier qui, la, garde en forme physiquement et mentalement. C'est très sportif de chanter, athlétique même, a lancé Vanessa Paradis. Toujours auprès de nos confrères, l'interprète du titre Divine Idyll l'a regardé dans son rétroviseur et a affirmé, avec reconnaissance et honnêteté, « Je suis comblée par la vie que j'ai pu mener jusque-là, par tout ce que j'ai vécu. Oui, il reste moins de temps, et ce sera moins facile. Je m'entends dire de plus en plus souvent, ça passe vite. Mais c'est comme ça. La Terre a quelques milliards d'années et notre passage y est bref. » Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Olivier Bordes.